La guerre du Pacifique fut bien différente de celle en Europe et ce, presque sur tous les plans. De par l'étendue du champ de bataille, déjà qui couvrait une grande partie du plus grand océan du monde, et par l'opiniâtreté des combattants japonais et de leurs chefs qui, nous l'avons vu lors du récit sur la communauté de Hanatahan, refusaient la défaite et combattirent même après la reddition du pays. Dans ce fracas de fer et de feu, des destins et même de grandes destinées se forgèrent. On connaît l'histoire du jeune conscrit Mizuki Shigeru qui rentra blessé des combats et deviendra l'un des plus grands mangaka du XXe siècle, exorcisant ses traumatismes et ses blessures dans son art, souvent en rapport avec la mort et le monde du surnaturel. De nombreux anonymes rentrèrent au bercail brisés et changés à tout jamais. La haine viscérale que les deux cons se vouèrent durant le conflit mettra des décennies à s’estomper et, même si certains vétérans japonais et américains se retrouvèrent 70 ans plus tard pour se serrer la main, les cicatrices parfois héréditaires ne se refermèrent jamais vraiment. Même si les crimes contre l'humanité jamais jugés des bombardements de Hiroshima et Nagasaki ne trouvent et ne trouveront jamais de justification historique, militaire et encore moins humaine, la réalité de la violence et de la férocité des combattants japonais railleuses comme celle de Hanataran, mais aussi à des atrocités beaucoup moins exotiques et cachées sous le tapis du temps au profit de la réconciliation. Ce sont mes lectures côté américain pour préparer mes dossiers sur le sujet qui m'amenèrent à lire des extraits de la biographie de l'ancien président américain George H. W. Bush, dans laquelle il évoquait ses années dans l'aviation de guerre américaine et ses missions dans le Pacifique, dont une faillit lui être fatale. Abattu avec son équipage au-dessus des îles Ogasawara, il ne dut son salut qu'à un canot pneumatique providentiel alors que ses camarades connurent un sort des plus funestes. Tout ceci fut nommé plus tard l'incident de Titijima et donna lieu à un procès des plus étranges impliquant officiers et soldats de l'armée impériale pour crimes de guerre. Les chefs d'accusation étaient le non-respect des conventions internationales, des actes de torture, des exécutions sommaires et, plus étonnant, des actes répétés de cannibalisme. C'est en consultant les archives déclassifiées des grands procès de 1946 et 1947 que j'ai pu découvrir les transcriptions des auditions des accusés de Titijima et leurs récits glaçants constituant sans doute l'un des épisodes les plus atroces de cette triste période. Alors, accrochez-vous bien ou passez votre chemin si vous avez l'estomac délicat. Je vais vous raconter l'histoire des soldats cannibales de Ogasawara. En 1944, la guerre du Pacifique fait rage et entre dans une phase déterminante pour l'avenir du monde. Le Japon, invaincu et dont l'aviation avait terrorisé ses adversaires, connaît une série de revers et se voit privé de ses porte-avions envoyés par le fond par les sous-marins américains et la mise en service des redoutables bombardiers B-29. La stratégie du général MacArthur consistant à prendre les îles une par une pour y installer des bases et infrastructures militaires est plutôt efficace et bientôt les îles Marshall et Caroline seront reprises, condamnant les petites garnisons japonaises isolées à se rendre ou à mourir de faim, ce qui arrivera très souvent. Le tournant définitif se fit après le débarquement des Philippines et la conquête des îles Marianne dont la bataille de Saipan, qui dura un mois, fut le point culminant, entraînant même le limogeage de Tojo Hideki, premier ministre et chef d'état-major de l'Empire du Japon. Dès lors, les forces alliées se rapprochèrent des côtes du Japon et les batailles firent rage, dont les derniers groupes d'îles dressaient là comme des remparts contre une invasion de la terre-mer inenvisageable par la population. Parmi ces derniers bastions de résistance, les îles Ogasawara inscrivent leurs noms lettres de sang dans les livres d'histoire. Deux noms particuliers sonnent toujours comme des symboles de l'enfer sur terre et du jusqu'au boutisme, ceux des îles de Titijima et de Iwo Jima. À la fin de l'année 1944, les Américains, solidement installés dans les Mariannes, purent commencer une guerre d'usure et envoyer leur aviation bombarder régulièrement les îles Ogasawara, situées à 1000 km au sud de Tokyo et bientôt la capitale elle-même. L'Empire, exsangue et penant à renouveler son matériel et ses troupes, se campait dans une guerre d'opposition, installant des garnisons souvent constituées d'unités décimées et reconstituées sous les ordres d'un officier rapidement promu. Parmi ses officiers de carrière à la destinée extraordinaire dans l'acception première du mot, il en est un qui se distingua par sa férocité, sa violence et sa cruauté qui pourtant n'est pas le premier à qui l'on pense lorsqu'on fait référence à cette triste période. Le lieutenant-général Tatibana Yoshio, puisque c'est de lui dont je vous parle, semblait tout indiqué pour être le chef d'orchestre des horreurs commises sous ses ordres en 1944 et 1945, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit tour d'horizon de sa vie me semble s'imposer. Tatibana est né le 24 février 1890 à Ehime sur l'île de Shikoku dans une famille de la petite aristocratie shogunale que la restauration Meiji avait déclassée. Il étudiera dans de très bonnes écoles privées où il connaîtra de graves problèmes de discipline et sera même à deux doigts de se faire renvoyer pour mauvais comportement. D'un naturel violent, il sera engagé dans plusieurs bagarres dont une se soldera par la perte d'un œil d'un camarade de chambrée. Pour chaque faute commise, le jeune Yossio connaîtra le fouet de ses maîtres d'études, le cachot et les privations de nourriture. À 18 ans, enfin diplômé du lycée militaire où il finira ses études, il rejoindra l'Académie Impériale Militaire de Tokyo où il se distinguera par sa capacité à commander et à se faire obéir de tous, mais aussi, et toujours par une certaine propension à la violence en cas de conflit. Malgré cela, il en sortira sergent-chef en 1913 et se fondera dans des régiments d'affectation sans importance, au sujet desquels il écrira son profond ennui. En 1916, il rejoindra l'Académie militaire des officiers de Toyama où il pratiquera le sport, gymnastique et arts martiaux, mais aussi les techniques d'interrogatoire et il recevra une formation politique ultranationaliste dispensée par des officiers de la TOKO, la police politique de l'Empire dont un certain Hermann Göring s'inspirera pour créer la Gestapo. Il se fera la main sur des prisonniers socialistes et des résistants chinois et se montrera très vite assez persuasif dans ses méthodes. Promu capitaine en 1923, il sera affecté au commandement d'une brigade au sein du 12e régiment d'infanterie, puis deviendra instructeur militaire à l'académie de Takamatsu. Promu major en 1930, puis lieutenant en 1935, il sera affecté à l'armée impériale du Manchukuo et envoyé dans la colonie chinoise pour des opérations de maintien de l'ordre et de répression. Il ne tardera pas à se tailler une solide réputation de torsionnaire et mènera des expéditions punitives contre des populations civiles à chaque acte de résistance. En 1937, il sera l'un des officiers qui participera activement au massacre de Nankin, ce qui lui vaudra une promotion et un transfert comme officier commandant du 65e régiment d'infanterie. C'est ce régiment qui sera en tête de l'attaque de Zhaoyang et Itiang, qui ouvrit les hostilités de la seconde guerre sino-japonaise. Là encore, son sens de la stratégie et du commandement seront remarqués par ses supérieurs, ainsi que sa capacité à ne pas faire de prisonniers, ce qui faisait économiser beaucoup d'argent à l'Empire. En 1942, fort de ses victoires en Chine, il sera nommé commandant en chef des forces de défense de la région de Hiroshima et nommé général en mars 1943. En mai 1944, il sera nommé commandant de la première brigade indépendante combinée, corps d'armée hérité des brigades Sakai, du nom du général Sakai Koji, qui créa ses unités mixtes capables de défendre un territoire et composées de troupes d'infanterie, d'artillerie, de tanks et de génie. Fort de cette petite armée, il sera affecté à la défense des îles Ogasawara au sud de Tokyo, dernier rempart contre l'offensive américaine qui, comme nous l'avons vu, venait de briser le mur des Marianes et menacer la mère patrie dans son intégrité. Il basera son quartier général sur l'île de Titijima et opposera, il faut bien le dire, une résistance héroïque aux forces alliées pilonnant leur position H24. Après des semaines de bombardements et de tirs d'artillerie, les 25 000 hommes de Tatibana tenaient leur position et rondaient coup pour coup. Les navires américains qui s'approchaient un peu trop des côtes étaient pris sous le feu des canons et les quelques tentatives de débarquement se soldèrent par des massacres en règle interdisant l'accès de l'île à tout soldat allié. Il faut dire que Titijima était une position clé dans cette ultime bataille. L'unité de transmission que défendait aussi la brigade Tachibana était le dernier relais possible entre le quartier général de Tokyo et les troupes encore déployées dans le Pacifique. Perdre cette position signifiait alors perdre tout moyen de communication et donc désorganiser une armée, certes en pleine déconfiture, mais toujours pendue aux ordres de son empereur et chef de guerre. Sur l'île d'habitude si belle, mais alors réduite à un tas de rochers pelés et stériles, dont la dernière forêt se consumait sous les bombes américaines, les conditions de vie étaient spartiates et l'ordinaire plutôt maigre. Aux 400 grammes de riz quotidien alloués au bidas, l'ordinaire était fait de poissons ou de viande en boîte envoyée par l'intendance et des quelques légumes et racines locales cueillis pendant les périodes d'accalmie. Mais très vite, les bombes réduisirent les chances de trouver ces compléments verts et en septembre 1944, un blocus de l'île décidé par le général MacArthur pour tenter de briser la résistance de Tatibana empêcha tout ravitaillement. Dès lors, il fallut commencer à rationner un peu le vulgus du soldat et se débrouiller avec les moyens du bord. Des filets de camouflage feraient affecter à la pêche, le moindre oiseau marin avait de fortes chances de se faire plomber en traversant l'île, et la portion journalière de riz passa de 400 à 200 grammes. Au centre de l'île, le carré des officiers, sorte de petit camp clôturé, était logé à la même enseigne. Le général Tatibana, le major Matoba, le colonel Kikoji, le capitaine Nakajima, mais aussi le docteur Teraki, médecin-chef de l'unité et ami du général, tous se pliaient aux restrictions imposées par la situation. La seule exception était qu'ils avaient une réserve d'alcool conséquente qui leur permettait d'oublier un moment le bruit incessant des bombes, des canons et des avions qui sillonnaient le ciel. Les unités de défense antiaérienne de l'île étaient d'une efficacité redoutable car Tatibana, un vieil officier expérimenté et au cuir tanné par les batailles en Mantiuko, avait lui-même choisi son matériel et opté pour le tout nouveau canon type 5 de la gamme AA en 150 mm, à l'efficacité redoutable. Il en avait fait entourer l'île et rendait la tâche très difficile aux aviateurs américains, dont beaucoup finissaient leur mission au fond de l'océan ou explosaient en plein vol lorsque le tir était ajusté à la perfection. Les artilleurs avaient droit à un traitement de faveur pour leur poste clé et recevaient le fruit de la maigre pêche en priorité pour accompagner leur riz. Il est vrai qu'après quelques semaines de blocus, la nourriture devenait le sujet d'inquiétude principale de l'état-major. Certes, il n'y avait presque plus de carburant, mais les déplacements n'étaient pas une activité cruciale dans la défense d'une île aussi petite. Les unités de tank avaient été placées face aux plages en cas de débarquement et gardaient une réserve de fuel, et seules les petites Kologanae type 95, les jeeps japonaises, des officiers roulaient de temps en temps entre deux points stratégiques. À la radio, les nouvelles étaient un peu plus catastrophiques chaque jour, et même si les services de propagande tentaient d'étouffer les défaites, l'état-major ne pouvait que rendre compte de la réalité des choses pour réorganiser la défense, mais les faits étaient là. Les îles tombaient les unes après les autres, la majorité de la flotte de guerre dont le redoutable Yamato avait été envoyé par le fond, et les forces alliées arrivées de toutes parts semblant ne jamais s'affaiblir. Le général Tatibana et ses hommes ne crurent pas en la défaite du Japon éternel et s'accrochèrent aux nouvelles officielles qui faisaient état de nouvelles armes révolutionnaires susceptibles de retourner la situation, des courageux pilotes qui faisaient le sacrifice de leur vie en s'écrasant sur les porte-avions américains pour les détruire, les kamikazes, et d'une jeunesse prête à donner sa vie pour que pas un américain ne pose un pied à Tokyo mais ils entendaient aussi les récits des bombardements sur les villes et la souffrance des civils les milliers de morts femmes et enfants la population qui comme eux mourait de faim et de maladie alors d'un combat contre un ennemi ordinaire cette lutte tournait en une haine viscérale pour un peuple américain rendu responsable de tous les maux de la terre de son côté la propagande officielle entretenait cette terreur du soldat américain présenté comme brutal sans honneur violeur et monstrueux les journaux, la radio et les illustrés en faisaient des caricatures horribles qui terrorisaient les populations et entraînèrent d'ailleurs des vagues de suicides collectifs de femmes lors des débarquements alliés au Japon. Alors oui, Tatibana haïssait les Américains plus qu'il avait haï les Chinois, il les avait tellement déshumanisés qu'il ne leur accordait même plus le privilège de les appeler hommes. En septembre 1944, l'état-major américain, qui recevait du matériel neuf et de jeunes recrues en masse, s'était lancé à nouveau dans des campagnes de bombardement massifs sur les îles Ogasawara. Chaque matin, une nuée de B-17 partait avec le ventre rempli de bombes et son équipage de 9 ou 10 personnes bien décidées à faire payer l'Empire pour l'humiliation subie à Pearl Harbor. Côté américain, la propagande allait bon train, elle aussi, et autant les médias que les centres de formation militaire dépeignaient les Japonais comme des barbares cruels et sans dieu, faisant craindre le pire à l'humanité s'ils ne les annihilaient pas totalement. Mais cette mélopée qui fit que les bombardements incendiaires américains sur les populations civiles japonaises n'émurent pas les foules outre-Atlantique, et que les camps de concentration pour réfugiés japonais aux États-Unis passèrent comme une lettre à la poste. Alors sans se connaître, soldats nippons et yankees se haïssaient se souhaitaient le pire, sans qu'aucun sentiment d'humanité ne rentre en ligne de compte. Ce matin du 18 septembre, c'étaient neuf jeunes aviateurs qui partaient en découdre avec l'ennemi impérial. Ils avaient entre 19 et 24 ans et avaient déjà une solide expérience du combat. Le pilote, le sergent Lloyd Walhoff, son copilote, le caporal Grady York, le première classe James Dyde et Jimmy, le soldat Glenn Fraser Jr., le soldat Marvel Martian, dit Marvie, les soldats Floyd Hall, Warren Helwine et Warren Inderlang, ainsi que leur camarade George Herbert Walter Bush, un jeune Texan de 20 ans, engagé le jour de ses 18 ans suite à l'attaque de Pearl Harbor et qui, 40 ans plus tard, deviendra le 41e président des États-Unis. Ce jeune équipage prit le ciel et se dirigea vers Titijima. Les ordres étaient clairs il fallait coûte que coûte écraser l'artillerie au sol et détruire le centre de communication. Mais voilà, beaucoup s'y étaient déjà cassé les dents et il était rare que l'intégralité des avions rentrent à la base une fois leur mission accomplie. C'est la peur au ventre, mais toujours déterminé, que l'équipage arriva en vue des côtes de Titijima qui se découpaient au large d'un ciel déjà embrasé par les combats aériens et les navires en flammes. Tandis que le sergent Wolhoff prenait l'altitude nécessaire au largage des bombes, les mitrailleurs Hall, Mershon et Voyne prenaient place derrière Lord Browning M2 en faisant une dernière prière. À une cinquantaine de mètres de l'île, le B-17 essuya une volée de tirs de DCA qui l'ébranla et le fit dévier de sa trajectoire pour éviter le deuxième front de canons anti-aériens qui se profilait. Effectuant un virage à 45 degrés, le pilote tenta une approche par l'ouest de l'île, prenant un peu de distance. Mais alors qu'il se stabilisait, oublions peut-être la portée des canons AA Type 5, un obus de 150 mm frappa l'avion de plein fouet, pulvérisant un moteur et une partie de la carlingue. En quelques secondes, les hommes à bord comprirent qu'il ne servait à rien d'essayer de redresser l'appareil qui commençait à prendre feu et tous prirent leur pactage de survie et assurèrent leur parachute avant de sauter du bombardier en perdition. Ils touchèrent tous le sol, mais se dispersèrent sur une cinquantaine de mètres. Le soldat Bush avait à mairie plus au large que les autres et commençait à gonfler son canot pneumatique de survie. Le sergent, lui, n'avait pas pu faire autrement que d'atterrir sur une hauteur de l'île en plein dans les lignes ennemies. Très vite suivi par Dye et Fleja qui tombèrent non loin de sa position. Les cinq autres atterrirent sur la plage ou à quelques mètres à l'intérieur des terres. Très vite, ils furent cernés par des soldats japonais en armes qui les mirent en joue. Pour eux, c'était sûr. La guerre était terminée. Le Private Bush, lui ayant réussi à se hisser dans un pneumatique à moitié gonflé, souquait ferme pour s'éloigner au plus vite de ce groupe de soldats qu'il avait repéré et commençait à lui tirer dessus. Une balle avait touché son frêle esquif et il se doutait qu'un mitrailleur allait bien prendre le relais et l'enverrait par le fond. Mais à quelques mètres de lui, il vit un sous-marin qui venait de refaire surface et s'avançait vers lui. L'une des tourelles se mit à donner du canon en direction de l'île et sautant à l'eau, et nageant plus vite que jamais, le jeune soldat se hissa promptement sur le pont, encore mouillé. Ses huit camarades, eux, eurent moins de chance que lui. Les soldats eurent au fait de capturer les huit américains qui n'opposèrent aucune résistance devant les dizaines de canons de fusil qui se dressaient devant eux. Désarmés et dépouillés de tout leur équipement, les prisonniers furent conduits au centre de commandement de l'île où le général Tatibana accueillit la nouvelle avec joie. N'ayant pas prévu de faire des prisonniers, ce qui était à la base contre ses principes, l'officier se dit qu'il y avait peut-être quelque chose à tirer de ces huit-là, et après leur avoir fait retirer leurs chaussures et leurs vêtements, pour ne leur laisser que leurs caleçons et leurs débardeurs, il les fit enfermer dans des petits conteneurs qui avaient servi à un largage de matériel. Les soldats furent chargés de construire à la hâte un lieu de détention pour les prisonniers en récupérant d'autres conteneurs, des barbelés et des piquets. Pendant ce temps, celui qui avait été repéré comme étant le plus gradé du groupe, le sergent Walhoff, était attaché à la calandre d'un camion Isuzu type 94 pour y être interrogé une première fois par Tatibana et son aide de camp, le capitaine Nakajima. Les questions, traduites par un soldat bilingue, furent simples et portaient sur le but de la mission, les forces en présence et le plan d'invasion côté ennemi. Bien entendu, à part à la première question, le sergent était bien incapable de savoir ce genre de choses, mais par bravade et défi, il refusa de répondre tout net et se contenta de sourire. Le général le gifla une première fois et lui posa la question à nouveau. Ce petit manège dura quelques minutes avant que Nakazima ne prenne le relais. L'ancien cavalier portait presque toujours une cravache qu'il gardait sous le bras comme le faisaient certains aristocrates. Il assura à son supérieur qu'il pourrait tirer les verres du nez de ce prisonnier récalcitrant et ce fut un déluge de coups qui s'abattit sur le prisonnier avant qu'il ne perde connaissance. Dans la soirée, l'efficacité des soldats de l'intendance avait fait ses preuves et les geôles étaient prêtes. L'ensemble était curieux, neuf petits conteneurs d'acier de 2 mètres de haut sur 1 mètre de large et de profondeur avaient été enterrés à moitié dans le sol et un trou d'environ 1 cm avait été percé sur le dessus. Autour de hauts piquets de bois entourés de dix rangées de barbelés avaient été dressés comme une sécurité supplémentaire. Les neuf hommes y furent enfermés sans nourriture ni eau et laissés là pour la nuit. Le lendemain matin, alors que les boîtes de métal commençaient à chauffer sous le soleil, Tatibana ordonna que l'on sorte les captifs et qu'on les attache à des piquets qu'il avait fait dresser au milieu du camp. Huit en cercle et un au milieu. C'est le sergent Walhoff, marqué par son interrogatoire de la veille, qui fut entravé au centre de manière à voir ses hommes autour de lui. L'interrogatoire reprit, mais cette fois le général ne toucha pas aux sous-officiers américain Il fit frapper ses hommes avec un bambou coupé un par un à chaque réponse qu'il jugeait fausse. Lorsque le premier soldat perdit connaissance, il les fit détacher et ramener en cellule, toujours sans eau ni nourriture. Le soir, après une journée entière à plus de 50 degrés dans leur boîte, il fit jeter un seau d'eau à chacun à travers l'ouverture du haut. Ils durent encore passer une nuit sans rien avaler avant qu'un soldat ne vienne leur porter un maigre petit déjeuner fait de riz dilué dans du bouillon clair et d'un quart rempli d'eau. De toute évidence, le maître des lieux voulait qu'ils survivent encore un peu. Ce manège dura une semaine sous la houlette du capitaine Nakajima cette fois, posant toujours les mêmes questions et obtenant toujours les mêmes réponses. Les captifs étaient à bout de force et le sergent, coupable d'après Nakajima de faire souffrir ses hommes par son silence, ne parlait toujours pas. Le jour d'après, le général vint faire chercher le soldat Mershon et le fit conduire à l'hôpital de campagne du docteur Teraki. Ce médecin militaire avait participé au groupe d'études sur les armes bactériologiques avant-guerre et avait même fait quelques séjours dans les colonies chinoises, à Harbin plus particulièrement, où était installé le plus célèbre centre de recherche sur les maladies infectieuses et les virus, mais aussi le plus grand centre de torture de l'histoire, la tristement fameuse Unité 731, dont nous reparlerons sans tarder. Tatibana ne cherchait plus à obtenir d'informations, il avait bien compris que ce groupe de soldats tombés du ciel ne savait rien sur les plans de l'état-major américain. Par contre, il savait aussi qu'il tenait là quelques spécimens de cette engeance qu'il haïssait tellement et que les garder sous le coude pourrait lui servir à passer ses nerfs lorsqu'il en avait besoin. Et justement, l'officier avait reçu de mauvaises nouvelles. En effet, le cuirassé Musashi, fierté de la marine japonaise, venait d'être envoyé par le fond avec son équipage, dont un vieil ami de jeunesse du général. Empli de haine et de vieilles théories racistes, Tatibana demanda à Mershan s'il était un humain, car selon lui, seuls des humains supérieurs aux Japonais auraient pu couler un tel navire. Alors il demanda au prisonnier s'il était plus qu'un humain, s'il se croyait supérieur à lui. Pour ce faire, il demanda au médecin de faire une incision sur le bras de l'Américain et lorsque le sang commença à couler, mit son doigt dans la plaie et mira le liquide rouge. Il constata que son sang avait la même couleur que celui des humains, mais après tout celui des chevaux ou des cochons l'était aussi. Il le porta à sa bouche et le goûta. En rigolant, il conclut que, pour avoir goûté son propre sang lorsqu'il s'était blessé, celui de Merschon avait un goût différent comme celui des porcs que sa grand-mère utilisait pour faire la soupe de sang cahier. Il fit attacher le captif sur la table d'opération après l'avoir fait dénuder. Pendant que l'homme se débattait, sanglé aux poignets et aux chevilles, il palpait son ventre et lui parla de la théorie des intestins japonais. Selon lui, si son peuple, le seul qui méritait le nom d'humain, avait les intestins plus longs que les sous-hommes comme lui et bien d'autres encore, c'était non pas pour des questions d'alimentation, comme on le sait maintenant, mais parce que les dieux y avaient placé des points vitaux qui les rendaient presque invulnérables. L'aviateur l'insulta en rigolant sans que Tatibana n'y comprenne rien. Il lui répondit qu'il grognait comme les cochons et que si son sang avait le goût de celui des porcs, il était sûrement un cochon il demanda au docteur telaki s'il avait un moyen de savoir si cet individu était humain et d'après lui cela passait obligatoirement par une ouverture puisqu'il avait parlé d'intestin il voulait vérifier la longueur de ceux du prisonnier l'officier lui ordonna de s'exécuter et d'ouvrir l'individu alors sans anesthésie telaki pratiqua une longue incision sur le ventre et installa des écarteurs chirurgicaux puis ganté et masqué il retira les viscères de Mershon pendant que ce dernier hurlait de douleur, ce qui provoquait l'hilarité du général. Lorsque le médecin sectionna les intestins pour les mesurer, le soldat américain avait cessé de crier, sans doute, déjà mort. D'après les mesures de Telaki, c'était officiel, le cobaye n'était pas un humain, enfin, il n'était pas dans la catégorie qui convenait pour lui. Le général observait le corps ouvert de leur victime et repensait aux vieilles légendes qui parlaient du pouvoir extraordinaire du foie humain lorsqu'on le consomme. D'après ce qu'il en savait, il guérissait les maladies de peau, la lèpre, la calvitie et bien d'autres choses encore. Alors passant du monde des humains à un autre, Tatibana demanda au docteur de prélever le foie du soldat et de le lui faire livrer. Le praticien s'exécuta, et le soir, le général mangea une partie de l'organe et en fit profiter son cercle proche, leur demandant de deviner de quel animal il s'agissait. Beaucoup pensèrent que c'était du porc, alors conforté dans son idée, il leur avoua de quelle viande il s'agissait, et bizarrement, peu furent réellement choqués. À la demande de Tatibana, Teraki préleva le cœur et les muscles des cuisses de l'aviateur et les fit cuisiner. Le soir, les officiers et sous-officiers de son état-major festoyèrent de chair humaine et d'alcool. Les jours qui suivirent, les restes de Mershon furent préparés et servis aux hommes sans qu'ils ne sachent vraiment ce qu'ils mangeaient. Lors d'un conseil militaire réunissant le général, le docteur Teraki, le vice-amiral Mori, le lieutenant Kikoji, le capitaine Nakajima, le major Matoba qui commandait la base militaire de l'île avant l'arrivée de Tatibana et le capitaine Yoshi, il exposa son point de vue sur la famine qui guettait les troupes et donna son accord pour que des prisonniers soient exécutés les uns après les autres et leur chair consommée. Il justifia son choix par la nécessité de survie, mais aussi par le statut non humain des Américains, à grand renfort de justification pseudo-scientifique de son ami médecin. Dans les jours qui suivirent, ce fut le deuxième classe Floyd Hall qui fut conduit sur la petite place qui faisait face au siège de l'état-major. Ligoté, il fut mis à genoux et Tatibana, goguenard, lui exposa ses griefs, l'accusant de tous les maux de la terre envers son pays et son peuple. Il termina son discours décousu par une condamnation à mort à effet immédiat. Il sortit son sabre de son fourreau et, le levant haut vers le ciel, décapita Hall d'un seul coup. Sa tête roula à ses pieds et son corps s'aplatit dans la boue dans un bruit sourd. Il fut emmené vers les cuisines et, une fois de plus, le général demanda à ce qu'on lui réserve le foie pour ses repas à venir la dépouille du malheureux fut accrochée dans la réserve et le cuisinier en découpa des morceaux pour préparer le repas des officiers sous-officiers et artilleurs les morceaux qu'il n'utilisait pas furent utilisés pour la soupe des hommes de troupe soupe qui fut aussi servie aux prisonniers survivants il en fut de même le lendemain puis le surlendemain mais le troisième jour, hein, le cuisinier affolé demanda audience auprès du général. Sûrement à cause de la chaleur, de l'humidité et des insectes nécrophages, la viande avait tourné et était devenue impropre à la consommation. Furieux, Tatibana lui demanda de jeter les restes à la mer pour ne pas risquer de contamination. Son ami médecin et lui étaient fort contrariés par cet incident et devisèrent sur la bonne décision à prendre. Il ne pouvait pas abattre un prisonnier tous les jours où il se retrouverait vite à court de viande et puis la providence ne ferait sans doute pas retomber des aviateurs américains sur l'île deux fois de suite. En réfléchissant à une solution pratique, Teraki se souvint de son passage par l'unité de recherche sur les armes bactériologiques et de ses donneurs de tissus qu'il maintenait en vie pour avoir des cellules fraîches. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec les prisonniers proposa-t-il au général. Il ne prélèverait que ce dont ils auraient besoin pour la recette du jour et maintiendrait l'homme en vie pour garantir la fraîcheur de la viande. C'est le première classe James Dye qui fit le premier les frais de cette atrocité. Il fut conduit dans le cabinet du général, ligoté sans savoir ce qui l'attendait, allongé sur la table d'opération. Teraki lui fit une injection de morphine et lui amputa la jambe gauche au niveau du genou. Puis il cautérisa la plaie, la ponça et lui injecta un antibiotique. Le demi-membre amputé fut donné aux cuisines pour qu'ils en tirent le maximum et le servent pour le repas du soir. Dai fut maintenu en vie pendant presque un mois jusqu'à ce qu'il n'ait plus ni jambes ni bras, avant d'être décapité au sabre par Tatibana sur la table chirurgicale, sans doute pour être sûr que cette fois encore, le foie de l'américain lui échoua. Warren Alvoin connut quelques jours après le même sort que son camarade, découpé morceau par morceau et maintenu en vie par les soins du bon docteur. Les survivants, eux, dans leurs containers aveugles, ne savaient rien de ce qu'il advenait de leurs camarades, pensant juste qu'ils étaient exécutés ou même détenus ailleurs. C'est alors que la troupe mangeait les derniers morceaux de Voyne que les choses commencèrent à se gâter vraiment. L'offensive sur Iwo Jima avait commencé et le gros des forces armées aériennes et maritimes américaines était massé dans les îles Ogasawara. Bien évidemment, le centre de transmission de Titijima fut la cible d'attaques impitoyables et la base fut pilonnée par les forces alliées avant qu'un débarquement américain inévitable ne vienne mettre un terme à la présence militaire japonaise sur cette île. Peu de temps avant que les plages ne tombent, le général Tachibana et le major Matoba firent sortir les quatre prisonniers restants. Le général des capitales, le sergent Wolhoff, et le major en fit de même avec le caporal York. Fraser et Inderling furent massacrés par les hommes qui revenaient du front à coups de bambous et pointés, de ce qu'ils avaient préparé pour la défense des plages et qu'ils plantèrent dans le corps des deux malheureux. Les officiers furent arrêtés et envoyés dans les camps de prisonniers pour y être interrogés, tandis que les hommes de troupes et les petits sous-officiers étaient enfermés sur place, dans des camps de fortune. Six mois plus tard, lors de la capitulation du Japon et la démobilisation de l'armée impériale, les soldats furent renvoyés chez eux ainsi que la plupart des gradés qui n'avaient eu qu'un rôle militaire ordinaire durant le conflit. Mais comme ce fut le cas en Allemagne en 1945, un certain nombre d'officiers supérieurs et d'autres de moindre importance mais au rôle trouble furent emprisonnés en attendant un procès mais d'abord l'instruction de leurs affaires. Les cas de crimes de guerre ou contre l'humanité furent nombreux et les témoignages de simples soldats honteux qui avaient assisté arrivaient en masse. Parmi ces témoins, certains avaient servi sur l'île de Titijima et racontèrent ce qu'ils avaient vu, les tortures, les exécutions, mais aussi les actes de cannibalisme. Certains sous-officiers qui avaient retrouvé la vie civile furent localisés et arrêtés et en août 1946, le général Tatibana et 11 de ses anciens collègues furent mis en examen pour crimes de guerre. Des enquêteurs américains et japonais travaillèrent à réunir les preuves comme ce fut le cas lors des procès de Nuremberg en Allemagne. Dans le cas présent, les preuves concernant les tortures, les décapitations et même les actes de cannibalisme furent trouvées, mais un point de droit international empêchait le procureur général de les condamner sur ce dernier point. Les tribunaux internationaux ne prévoyaient rien en termes pénals pour les actes cannibales, même pas répertoriés dans les codes. Ils furent condamnés, en plus des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pour abandon de cadavres sans sépulture décente. Après des semaines d'audience et les pires récits qui soient, le général Tatibana, le major Matoba et le capitaine Yoshi furent condamnés à mort et exécutés par pendaison dans les jours qui suivirent. Le vice-amiral Mori est d'une peine de prison à perpétuité pour ce crime-là, mais fut condamné à mort quelques semaines plus tard à l'issue d'un autre procès dans lequel il comparaissait pour ses exactions aux Indes orientales néerlandaises. Le docteur Telaki sera reconnu coupable, mais bénéficiera d'un accord avec les Américains dans le cadre du processus de réconciliation voulu par le général MacArthur. En échange des résultats de ses expériences et d'informations sur l'unité 731 et les autres atrocités auxquelles il participa ou dont il fut témoin, il écopa de huit ans de prison seulement et, dans les faits, n'en fit que quelques mois avant d'être libéré et de revenir à la vie civile. Il continua d'exercer à Tokyo jusqu'en 1992 et mourut paisiblement auprès de sa famille en 2012 à l'âge de 98 ans. Ils ne furent pas les seuls à avoir été jugés pour des actes de cannibalisme durant la guerre, et ce furent plus d'une centaine de cas qui furent relevés impliquant la mort et la consommation de soldats et civils chinois, indiens, américains, australiens ou néo-zélandais. Un certain nombre de ces cas est évoqué dans le livre de James Bradley dont le père était à Iwo Jima, Flyboys, A True Story of Courage, et plus largement et en détail, plus historique cette fois, dans la somme de hata Hikuhiko de Sasae Masamori, dictionnaire des crimes de guerre japonais paru en 2002 et basé sur la déclassification des audiences de 1946 et 1947. C'est sur leur ouvrage et celui de Horie Yoshitaka, Souvenir de guerre de Ogasawara, que je me suis surtout basé pour vous transmettre cette histoire, aujourd'hui largement oubliée de tous, et qui ne manquera pas d'épouvanter et à juste titre tous ceux qui l'écouteront, tant elle fait appel à notre propre humanité sans doute, à l'un des derniers tabous de nos sociétés. Voilà, j'espère que cette affaire vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, Reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans vous abonner. Activez donc la cloche pour être mis au courant des sorties et si la vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous. Vous pouvez rémunérer cette vidéo, démonétisée comme la plupart de celles de la chaîne, en laissant un super thanks, le bouton avec le cœur et le dollar juste sous la vidéo. En rejoignant l'unité Satsudin, même chose, c'est le bouton Rejoindre sous la vidéo ou en me laissant une petite obole sur Tipeee ou Utip. Vous pouvez aussi faire un tour sur la boutique Satsudin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne ainsi que des goodies terrifiants et amusants. La boutique Spreadshirt Satsudin vous plaira sûrement si vous avez du goût, alors guettez-la bien, un nouveau modèle arrive pour la rentrée. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. J'y suis assez présent et y réponds à vos questions. Voilà. Je vous laisse. Quelques milliers de pages jaunies m'attendent, prêtes à me livrer leurs terribles secrets. Matane.